Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart avec l'épisode 2. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir. Prenez le plus grand écran possible que vous avez sous la main et profitez s'il vous plaît de cette 4K 60 FPS insane. Je suis désolé, il y a eu 2-3 petits bugs durant l'épisode 1. Ça n'a rien à voir avec le jeu, ça n'a rien à voir avec la PlayStation 5. C'est tout simplement mon logiciel de record qui n'était pas au point. J'ai changé de PC ce week-end et je vous cache pas que j'avais tous les réglages à refaire. Et c'est assez terrible d'ailleurs parce que cet épisode 2, je l'ai déjà enregistré. Malheureusement, tout buguait aussi, hein. Il y avait des arrêts sur image et tout. C'était assez terrible. Donc, pas d'effet de surprise pour moi durant cet épisode 2. Mais après, on sera entièrement, évidemment, dans la confidence et dans la surprise. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris par hasard? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Oh, pas de chance, tous les robots charmants que je connais ont les yeux bleus. On va écouter évidemment tous les dialogues cette fois-ci dans l'épisode 2 que j'avais tourné. J'avais pas pris le temps d'écouter tous les petits robots que je croisais. Là, on va le faire bien sagement évidemment. Et j'ai une petite surprise, j'ai eu un pack précommande très sympa. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble parce que j'ai eu des armures gratuites. Alors, j'ai eu un casque, voilà, ainsi que l'armure haut et l'armure bas. Néanmoins, j'avais retiré le casque. Pourquoi? Parce que je voulais voir la petite bouille de Ratchet, évidemment. Ma couleur préférée étant tout simplement le bleu. On va essayer d'aller chercher le bleu. Je ne sais plus exactement où il est. Il est là, le bleu. Donc ça, c'est très très bon. On prend, et évidemment, pour le bas aussi, on va changer la couleur et on va mettre du bleu. J'avais aussi autre chose, mais on verra un petit peu plus tard. Allez, on est parti, on continue notre incroyable aventure. Et j'ai aussi une arme, bah oui, mais c'était ça que je voulais vous montrer. Vous voyez cette arme, ça s'appelle le pixeliseur. Il va pixeliser tous les ennemis, il va les rendre en pixels. Hein. Donc, qu'est-ce que le pixel? C'est tout simplement ce qu'on utilisait à l'époque pour faire les vieux jeux vidéo. C'est pas très très beau, mais c'est tout le but et c'est surtout très très drôle. Bref. Comme je vous disais, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu ce moment. Comme je vous disais lors de la tentative d'épisode 2, eh bien écoutez, quel bonheur. Voilà, je sais que Ratchet & Clank, c'est pas le jeu qui va faire des miracles en termes de vues, ni en termes de likes. Je ne fais pas ça pour ça. D'ailleurs, merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps toujours, peu importe la vidéo, de déposer un like et un commentaire. Il est d'usage de remercier chaleureusement notre glorieux empereur avant, pendant et après vos achats. Empereur? Est-ce que ça veut dire que qu'il y a donné Farius maintenant? Ça fait extrêmement plaisir. La priorité, c'est Clank. Il est peut-être dans ce bazar. Alors, on n'a plus Clank, mais par contre, on a les mini jetpacks sous les chaussures. Néanmoins, je ne peux pas aller là-haut. Pourquoi? Parce qu'il me faut les bottes magnétiques, tout simplement. Donc, on ira un petit peu plus tard. Mais attendez, je vais mourir. Bah voilà, mais c'est un aller simple pour l'enfer. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! J'ai eu l'occasion! J'ai eu l'occasion déjà de vivre ce moment! Et je le refais, je retombe dedans. C'est terrible, putain! C'est terrible. Allez, on peut planer. Donc, on va planer, évidemment. Et bienvenue dans une nouvelle planète et une nouvelle ville. Ça risque d'être tout simplement incroyable. Ici, on a des caisses. Bah, ça me permet de récupérer des caisses que je n'avais pas récupérées durant le faux record de cet épisode 2. Vous avez oublié vos achats? Oh, mais entrez, voyons. Madame Surcon va te vendre des armes, mais tu dois te faire un peu plus discret si tu ne veux pas compromettre la résistance. La résistance? Excuse-moi, mon ch'tou, Madame Surcon ne s'y connaît pas encore très bien. Oh, espionnage. Je suis ce vaisseau.
comment je peux quitter la planète? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarious et tu le trouveras. Club Nefarious, compris. Oh, et joli travail, agent secret Zurkon. C'est tellement excitant. Comment je vais la reconnaître, moi, la musique de ce club? Allez, on est parti pour la suite donc de nos aventures. On va voir un petit peu ce qu'elle a en vente. Je sais plus exactement. Ah, le champitron. La seule arme à avoir détruit les ennemis de Mini Zurkon et à avoir animé son dernier anniversaire, j'ai nommé champitron. Lancez-le et vos ennemis seront sous un tel choc qu'ils seront obligés de le suivre dans son délire. L'occasion idéale pour vous de vous éclater un petit peu. Ok, est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez pour l'acheter, donc c'est mort et elle ne vend que ça. On va aller fouiller un petit peu à gauche, à droite, avant d'aller trouver la boîte de nuit. Souvenez-vous, on doit trouver, on doit suivre finalement la musique où je vais, d'où Jésus. Non! Ok, on est revenu. Plus vite je trouverai le club Nefarious et ce fantôme, plus vite je rejoindrai Clank. On va le trouver, t'inquiète pas mon Ratchet. Mais avant cela, on va tout fouiller parce que j'ai sûrement dû louper. Voilà, des petites choses très sympas comme un Raritanium, évidemment. Donc comme je disais, merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de déposer un magnifique like et un petit commentaire. Quel plaisir j'ai à vous lire comme à chaque fois, évidemment. Et... Waouh, j'ai juste envie de vous dire waouh. Quel plaisir aussi de vous proposer ce Ratchet & Clank en aventure d'été. Très coloré, magnifique. Regardez, on peut s'arrêter 2 minutes. C'est juste, c'est littéralement sublime en fait, il faut le dire. Je sais aussi que vous êtes très nombreux malheureusement à ne pas réussir à avoir une PlayStation 5 et je peux comprendre votre frustration. Regardez, je vais vous montrer le pixeliseur. On va essayer. Voilà, ça les transforme en pixels. Et ça les détruit. Quand on tape dedans, ça fait plein de petits cubes. C'est giga stylé. C'est donc le... Regardez les bruits. Même les bruits, ils sont pixelisés. C'est trop, trop, trop stylé. Je kiffe le pixeliseur, vraiment. C'est giga ouf. C'est giga ouf, ça me fait taper des barres. Voilà, je voulais impérativement vous montrer. En plus, c'est une très bonne arme, évidemment. Donc, comme je vous disais, je sais que c'est pas... Oh, un bug. Ah, ça arrive, ça arrive. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Au moment où je record, il n'y a pas donc la mise à jour Day One. Bref, comme je vous disais, je sais pertinemment que c'est pas ça qui va battre des records. Mais hey, on se retrouve un été sur un jeu plutôt beau, très chatoyant à regarder, avec un peu d'humour, ça fait pas de mal. Et je suis très content, les amis, mais vraiment très très content de me retrouver à vos côtés cet été sur ce jeu. C'est une très bonne idée que j'ai eue, je trouve. J'avais pas cette idée... Oh non, ok, c'est bon. J'avais pas cette idée auparavant, mais je ne suis pas déçu. Ok, on a des caisses, on sait jamais. Wouh! Ok, ça m'a remis à l'XT. Très bien. J'ai failli quitter la map. Bonsoir. On est parti. On va ouvrir la porte. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à trouver ici même. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. Alors ils ont mis des balles un peu partout hein. C'est pour vous montrer entre guillemets tout ce qu'on peut faire hein, sur la PlayStation 5. C'est aussi non seulement un jeu only PS5, mais démo technique aussi avant tout de la part de Sony. Et c'est d'ailleurs très bien fait. Attendez, on va là. On va ici. Là, c'est un chemin que j'avais pas pris hein, à l'époque. On innove. Oh, attendez. On va quand même tout fouiller en bas. Parce que sur un malentendu, il y a peut-être quelque chose qui s'y cache. Et là, on a que dalle. On a que dalle, hein, on est d'accord. On a des caisses ici, incroyable. Ok, bon, on est parti. Comment on peut faire? On peut tout simplement, on va chercher la simplicité. Voilà, on va passer par là. On va
sauter ici et sauter ici, évidemment. Ouais, je fais genre, je maîtrise le jeu, mais couille, ouais. Je l'ai juste déjà fait. Et bientôt, ça va être de la full découverte parce que... parce que j'avais pas continué bien trop loin une fois que je me suis rendu compte que les bugs depuis l'épisode 1 persistaient sur l'épisode 2. J'ai donc dû faire quelques réglages et configurations du PC. Je raconte ma vie et vous en avez rien à foutre, on est bien d'accord là les gars. Hein, attendez, ça j'avais jamais fait, j'avais jamais vu ça. Ça c'est nouveau ça, attendez. Hop 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 hop. Encore what? Oui. Oui. Non. Oui. C'est nouveau ça, regardez ce boulon en or. C'est pas là normalement que je récupère mon premier boulon en or. Ok, incroyable. Incroyable! Mais je suis une machine! Je l'avais même pas fait ça, dites-vous! C'est dingue! Là, on a des trucs encore, là, non? Il y a quelque chose à récupérer, vous croyez? Je crois pas. Oh, c'est totalement dingue! Oh, je suis tellement content! Mais je suis pas peu fier d'avoir recommencé cette phase. Voilà, je vous le dis! Les mots sont lâchés! Je ne suis pas peu fier! Premier boulon en or qui va nous permettre de déverrouiller des trucs giga cool. Enfin, je crois. Je sais pas exactement. J'ai toujours pas compris exactement quoi. Ok. Bonsoir. Voilà. La petite racaille intergalactique, ça dégage. Pas le temps pour ses codes. Ok. Bonsoir. Nouvelle usine. La plateforme de chargement doit pas être loin. Ouais, ça me plaît, ça. Tu me plais, ça. Ratchet, tu me plais énormément. On a rien là. C'est terrible. Je suis descendu du rêve à la réalité là. On a que dalle. Oh les gars, récompensez un petit truc, un truc sympa, tu vois. Un truc un peu funky. Oh, on a que... oh putain là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a vu, on s'est vu. Ok. Déjà, on va aller prendre ça. Très bien. Non! Non! Pourquoi t'as fait ça, Ratchet? Je te faisais confiance après tant d'années. C'est pas vrai! Alors, je passe dans les lasers, je suis mort. Hein. Putain, Ratchet, qu'est-ce qui nous arrive? Putain. Ok. Let's go! Alors ça non plus j'avais pas ramassé parce que je l'avais tout simplement pas vu. Allez Ratchet, fais pas le con. Ok, on est parti, let's go pour la suite de nos... Je suis un connard, ben ouais, ben voilà. Mais ça c'est mon problème ça, hein. À vouloir trop en faire. Attendez. Je tente un petit coup de Trafalgar. Très peu tenté dans l'industrie du jeu vidéo. Où je dois aller du Jésus? Mais qu'est-ce que je branle? C'est pas possible. Ah si, c'est bon, c'est là. Ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Très bien. Comment je peux faire, là? Comme ça? Très bien, ça. Ok. Bonsoir. Allez, ça dégage. Rien à péter. Ça, c'est fait. Mais attends, attends. Y a un... J'étais pas... Ça, je l'ai pas vu, ça? Non, c'est pas possible, ça. Les gars, ça vient d'apparaître. Ça vient d'apparaître, ce truc-là. C'est pas possible. Ok. Là, on a rien. Il faut vraiment tout fouiller hein, dans Ratchet. Tellement de souvenirs qui remontent à la surface. C'est pas un jeu clairement simple. Faut savoir que c'est un bon, très bon jeu de plateforme, les Ratchet & Clank. Et... Alors oui, n'importe quel enfant peut s'amuser dessus, mais c'est pas facile. Si vous voulez faire du 100%, chose qu'on va pas faire évidemment, mais si vous voulez le faire, ça se fait pas comme ça. Ok, ça, ça dégage. La petite racaille extraterrestre encore une fois. Merde. J'ai essayé de mettre un petit coup de pompe. Ça se voit que je gère de mieux en mieux quand même, hein, non, ce petit jeu vidéo, hein. On est bon. Allez. Bonsoir. Oh. Ça, ça va, les gars. Je sais bien. C'est à base de pompe que ça va se régler toutes ces histoires. C'est à base de pompe. Ok, on a récupéré des petites munitions. Ça, c'est très très cool.
Eux, ils sont très très chiants. Très bon, ça. Très bon, ça. Exécuteur de level 2. Vous avez vu un petit peu mon niveau de shoot, là, comment il augmente bien. Je suis une machine. Ok. Ça, c'est critique, ça. Ça, c'est critique, vous dis-je. Aïe. Ok. Let's go. Let's go, je suis littéralement un putain de tueur. Une machine, vous pouvez le dire, les amis, n'ayez pas peur des mots. Ne mâchez pas vos mots, s'il vous plaît, me concernant, dites-le. Je veux vous entendre en commentaire, donnez-moi votre avis, dites-moi qu'on est des machines, qu'on est les meilleurs. Qui a pas plus chaud que nous, bordel. Allez, on se fait rêver. Yo, les gars, ça va ou quoi? On va tout plier ici, parce que c'est vrai que j'avais pas très bien... fouiller la dernière fois. Bon, y a rien à part ça à récupérer. Tu as trouvé un robot espion de la résistance? Oui! Il contient des infos sur différentes planètes et des plans pour une arme secrète. Si tu en trouves assez. Eh ben, faudra aller checker ça, les amis, parce que j'avais même pas checké. Donc. Mais où est-ce que tu te caches, bon sang? Les potes, à partir de là, c'est de la découverte. Enfin, à partir de la boîte de nuit, ça sera entièrement de la découverte. Oh là là! Qu'est-ce qu'on va récupérer? Volontiers, s'il vous plaît. Plus vite, je trouverai le club Nefarious et ce fantôme. On va le trouver, mon Hatchet, t'inquiète pas. On va le trouver, c'est pas un problème. C'est vrai que j'ai une arme à récupérer, le champi, mais j'attends pas plus. J'attends pas Paul, pardon. Ok, on récupère tous ces boulons. Donc là, il faut écouter le son. Et ce qui est giga bien fait, et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Oh, attendez, on a quelque chose. On a quelque chose ici. C'est tout ? Très déçu. Ce qui est réellement giga bien fait, c'est qu'en fait, au son des basses, la manette vibre. Ça fait que même sans son, je peux m'orienter pour trouver la musique. Et vraiment, vraiment, top tier, très bien fait. C'est le fameux retour haptique. Oh ! Je l'avais jamais vu ! J'ai trouvé un quoi ? Un grabeur ! Club Nefarious. Club Nefarious. Ok, ça en fait. Quoi ? Mais c'est trop, mais c'est trop. Mais quoi? Oh, je comprends ce qui est arrivé au char de la paroisse. Mais attendez, mais ça, je l'ai jamais fait, ça. Ça, c'est de la full découverte. Ah, c'était le char du début de jeu, le char de la parade. Non, mais c'est trop bien. Oh, mais je regrette tellement pas de mourir et de refaire tout ça. C'est trop stylé. J'ai jamais fait tout ça. C'est de la full découverte. Incroyable. Vous avez vu le changement de monde? À quel point ça se fait vite et sans chargement. Ok. J'ai compris. Le Lombax, celui qui est pas gonflé. Non. Ok. Ok. Très bien, ça. Très très bien. On continue. Boing! Trophée obtenu. Putain. Attendez, c'est quoi ça? J'ai jamais fait ça, mais je suis trop content. Je suis trop content, les potes. Incroyable. C'est quoi cet épisode 2 de malade? Tout ça, dites-vous, c'est que de la quête annexe, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Plus vite je trouverai le code Nefarious et ce fantôme, plus vite je rejoins. Je crois que c'est tout ce que j'avais à faire. Ok, là. Déguisement de robot, 1 sur 3. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Et comment on part, s'il vous plaît? Comme ça. Et comment on part, s'il vous plaît? Non, c'est de là où je viens. Faut tout simplement que je retourne là-haut, c'est ça? Si je ne m'abuse.
très bien. Oh là 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 là. Et regardez ce passage, changement de monde. C'est trop stylé. Oh, ça. Eh ben, c'est ça que j'aime. C'est la découverte, c'est le bonus, bordel. J'ai découvert un vendeur, j'ai découvert... C'est dingue. Des caisses à gogo, de l'argent. Allez, go. J'arrive. On est parti direction la boîte de nuit cette fois-ci. Je trouve ce fameux fantôme. L'œuvre Nefarious. Mais où est-ce que tu te caches, bon sang? Allez, bonsoir. Comment ça va? Ça chie ici ou quoi? Ça se frotte. Ok, attendez, on a quelque chose peut-être à gauche. Peut-être à gauche. On a quelque chose, bien sûr qu'on a quelque chose. On a des petites mines très sympas. Et on a quelque chose à droite d'ailleurs aussi par la même occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout c'est quoi ça. On a un truc par terre. Ok. Donc vous entendez les basses là à chaque fois. Le retour haptique, on le sent très bien. Et c'est très bien. Allez, on se débarquille. Ça se frotte entre robots ici. Ils ont tous la même danse, les robots. Vous croyez qu'on leur a mis ça dans la mémoire ou Bonjour. Est-ce que c'est vous, le fantôme? Je viens être n'importe qui pour toi, même. Oh, tu m'excites là, arrête un peu, hein. Il y a un fantôme dans le coin. Une accro du dancefloor. Ok. Ah, vous ne seriez pas le fantôme? Alerte résistance! Alerte résistance! J'y crois pas. Ma première mission depuis Perpète et je me fais repérer. Le fantôme. C'est Skid? Allez, c'est parti, course poursuite. Ça explose. Let's go. On avait trouvé un petit truc rare ici, très sympa. Ok, y a pas de méchant là, c'est bon, on est tranquille. Fantôme, attends! Tais-toi, j'étais en plein milieu d'une mission. Je m'appelle Ratchet. Il paraît que tu... Pas de nom! Il faudra être plus malin que ça si tu veux rejoindre la résistance, le bleu. Pourquoi okay. Tout le monde croit que je fais partie de la résistance? Je sais pas ce qui m'a fait, je suis désolé. C'est l'excitation, ça me fait tirer partout. Eh, ils en cachent partout, ça, hein, ces petits saloupios, hein. Ils en cachent partout, hein. Oh là là, faut vraiment tout fouiller, hein. Allez, dégage. Je veux plus te voir, coup de fusil à pompe dans les chicos. Ça dégage. La petite racaille, c'est terminé, hein. Bonsoir. Ça, c'est terminé très vite. Ok. Ça, c'est de la petite racaille extraterrestre. Non, c'est pas très important. On va aller plus fort. Voilà, un petit coup de clé à molette, ça dégage. Hein. Ok, il me faudra un sniper. Ça serait énorme. Ok, let's go. Pas mal. Le joueur français. Il y a forcément quelque chose ici qui me permettra de rejoindre Fantôme. T'inquiète pas, on va y aller. On va y aller, mon Ratchet. Tout va bien se passer. Bon, j'espère que vous kiffez, que vous aimez le jeu aussi. On a quelque chose ici. Ok. On a quelque chose partout, même, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est, ils sont partout. Là, il y a des logos, je ne sais pas c'est quoi. Ah, d'accord, c'est des munitions. C'est nul. Ah non, on a quelque chose. Wouh, let's go. Deuxième boulon d'or trouvé, s'il vous plaît. Allez, c'est in the pocket. Bon, ça, hop, c'est fait. On est monstrueux. Ça me surprendra toujours, ce petit truc-là, très sympa.
Allez, on continue. On continue. On verra un petit peu plus tard ce qu'on peut avoir grâce à ces boulons. Hop, j'ai beaucoup de boulons là, j'en ai combien. Hop, ça on va ouvrir. Voilà, un petit coup de vérin. C'est toujours plaisir. Bonsoir. Arrêtez de courir. Est-ce que c'est un genre de test? Vas-y, dis-moi. Ok. Hé, attends. Oh, j'ai fait mourir. Attendez. Je crois que je l'ai pas vu ça, mon petit pote. Bien sûr que je l'ai vu. Oh, pas moi, Zinedine. Très bon, ça. Le voilà. C'est la boule de poil du club. Oh non. Allez, on est parti. Allez, ça dégage. Ça dégage. Pas le temps pour vos conneries. Hop, ça on prend parce que c'est de la thune. Oh là là, je suis monstrueux, mais quelle maîtrise maintenant de mon inventaire. Quelle maîtrise, s'il vous plaît. Et ben voilà. Encore une bonne chose de faite, c'est fini là. T'assures, le nouveau. Merci. Chut. C'est quoi ça? Un genre de poignée de main secrète? Hey! Et j'en fais quoi au juste? Ok, le bleu. Teste le sprint fantôme pour voir. Un sprint fantôme? En cessant d'exister. Ok. Let's go! En cessant d'exister pendant un court instant. Par contre, c'est stylé, hein, les effets. Oh là là, mais les effets et tout, je suis désolé, moi je... C'est tellement chatoyant pour les yeux et tout, c'est un kiff. Hein. Pas de panique, sers-toi du gant pour courir le long de ces talons. Ok, c'est donc un gant multifonction qui permet enfin de courir sur les murs. Let's go. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Ok. Restez près du frérot. Bonsoir. Ça, je prends. Ça va permettre d'améliorer les armes. Et c'est de la bombe, littéralement. Tu peux trouver une navette royale ou pas? Ah, les Lombax. T'es aussi têtu qu'elle, à ce que je vois. Attends. Tu connais l'autre Lombax? Elle est partie où? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après émission. Sargasso. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable? Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarious. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Le toit? Comment je fais pour l'atteindre, ce toit? Eh bien, y a plus qu'à... Eh ben, on va l'atteindre comme ça. Ratchet, tu poses encore des questions sur Ridicule? Oh, s'il te plaît, il est temps d'évoluer là un peu, hein, mon ami. Hein. Allez, ça dégage. Encore une fois, la racaille extraterrestre ne l'emportera pas. Ok, bonsoir. On a des caisses ici, ça on prend. Jusqu'ici, pas de soucis. Ça prend, c'est quoi ça déjà, les tout petits... Ah, je crois que c'était de la vie. J'en avais pas besoin. En fait. Hop, ça dégage aussi. Bonsoir. Ouais, bon, allez, on les ruine hein, très rapidement. Hein. C'est vite fait, ça. Hein. Wouh! Il m'a annihilé la gueule! Pas cool, ça, frérot. Hein. Pas cool du tout. Hein. Let's go.
Alors, cette fluidité de mouvement, s'il vous plaît. Non, mon chou, est-ce que tu vas sur le toit? Let's go. D'abord utiliser ton raritanium pour améliorer ton arsenal. Elle me conseille d'utiliser mon raritarium. Bah, vous savez quoi, on va le faire. Le petit tuto. Merci d'avoir choisi, Madame Zurko. En fait, grâce à tout, vous savez, tous les petits trucs de cristaux qu'on récupère dans les caisses, ça va nous permettre d'améliorer tout simplement chaque arme. Par exemple, là, le didacticiel laser, c'est donc juste un didacticiel, hein, vous l'aurez compris. D'ailleurs, j'en ai 30. Ça va nous permettre d'augmenter, par exemple, là, la quantité maximum de munitions. Il suffit de rester appuyé. C'est un arbre de compétence pour chaque arme et c'est super bien fait, en vrai. GG. Améliorer à son arsenal est un donc, jeu on va tout améliorer. On a du raritanium, bien sûr. Histoire de débloquer le truc ultime un petit peu au milieu. Et voilà, portée max augmente donc la portée des tirs. Ça c'est fait, c'est débloqué, un vrai jeu d'enfant. Améliore une de tes propres armes. Pourquoi bon. Se contenter d'une arme standard quand on peut la rendre exceptionnelle? On va améliorer quoi? Le pistolet rafale, ça me paraît pas mal. Augmente la quantité maximum, ça c'est fait. Augmente la cadence de tir en mode rafale, augmente la cadence de tir en mode rafale, augmente la cadence de tir, parce que je trouvais que c'était le principal problème, ça manquait de cadence de tir, donc on va augmenter ça évidemment. Et les rafales sont plus précises, la précision aussi ça me paraît pas mal. Donc ça c'est l'arme de base, on l'a plutôt bien augmentée. Mais une fois qu'on a tout amélioré de ce qui relie, ça va améliorer un maximum de trucs, donc augmente la quantité des munes. Bref, c'est incroyable, vous l'aurez compris. Bah tiens, hey, vous voulez qu'on se fasse un plaisir, regardez. Ça, c'est la première fois, hein, c'est l'exclu. Voilà, caisse de munitions, ça c'est fait, mon petit pote, ça va me régaler. On va améliorer aussi... le pixeliseur, j'aime bien. Augmente la zone d'effet, augmente la portée, ça c'est cool. Augmente la quantité maximum de munes. Encore la quantité maximum de mun, on a quoi là? Augmente la portée et augmente la zone d'effet. Eh, allez, au diable l'avarice, on le met à fond le pixeliseur. Let's go! L'arme bonus est totalement à fond, donc ça c'est plutôt cool. Le pistolet rafale, ça tabasse aussi, il manque un petit peu d'exécuteur. Eh ben écoutez, j'ai hâte d'essayer ça. Ah oui! Ah oui! C'est beaucoup mieux. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 3. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.